Comment se passent les préparatifs avec le capitaine ? Ils avancent, mais nous avons besoin de l'aide de votre grand-père. Est-ce qu'il est ici ? Il vient de partir pour la clinique avec la jambe artificielle de Kirk, le guide Yukol. Je tiens la boutique en attendant son retour. Peut-être que je peux vous aider ? Eh bien, nous aurions besoin du double de la clé de contact du cristal. J'avoue que je ne vois pas où vous pourriez trouver ça. À part la maquette en bas, je ne crois pas qu'il ait gardé beaucoup de souvenirs de l'époque où il a créé le cristal. Vous permettez que je jette un œil ? Bien sûr. Tenez, prenez ça. Vous pourrez regarder la maquette de plus près. Une clé de contact. Mais elle paraît beaucoup trop petite pour le cristal. Ça ne marche pas. Ne vous inquiétez pas,
Dès que grand-père sera revenu avec Kirk, je leur dirai de vous rejoindre directement au cristal. Magnifique, Kate. Faut bien avouer que vous êtes sacrément des brouillardes. Merci, capitaine. Est-ce qu'il y a d'autres préparatifs à effectuer? Il reste un dernier problème à régler. Les écluses qui permettent d'accéder au lac. Elles sont fermées par ordre de la mairie. Faudrait que vous trouviez le moyen de les ouvrir. Comment faire, à votre avis? Le mieux, ce serait que vous demandiez au maire Bouliakine l'autorisation de les rouvrir. Mais je vous préviens, ce type est franc comme un âne qui recule, alors méfiez-vous de lui. Ou alors, vous avez qu'à vous procurer des explosifs et puis boum. Avant, j'essaierai de parler au maire. Merci, capitaine. Mes chers amis, du calme, s'il vous plaît, du calme, je vous en conjure. On se calmera quand on aura obtenu ce qu'on demande. Ouais, dehors les nomades. Expulsez les Yukol immédiatement ou on intensifie la grève. Je vous ai bien entendu, mes chers amis, et... Des paroles tout ça, on veut des actes. Écoutez, mes chers concitoyens. Thank you.
Monsieur le maire? Oui, quoi encore? Cet homme est un politicien. La flatterie ne devrait pas faire de mal. Je devrais aller droit au but. Bonjour, monsieur le maire. Veuillez m'excuser de vous aborder comme ça à l'improviste, et d'avance, je vous remercie de m'accorder un peu de votre temps. Je sais à quel point celui-ci est précieux. Mais vous êtes toute pardonnée, chère madame. Que puis-je pour vous? Serait-il possible d'envisager d'ouvrir les écluses du port? Je vous demande pardon. Les écluses, dites-vous? Et pourquoi faire, que diable? Autant jouer carte sur table. Le maire sera peut-être content que je le débarrasse des Yukol. Vu la réputation des Yukol en ville, je ferais mieux de ne pas dire que c'est pour eux que les écluses du port doivent être ouvertes. Vous disiez, chère madame? Il se trouve que j'accompagne la tribu Yukol dans son long voyage, monsieur le maire. J'ai demandé au capitaine Obo de nous emmener à bord du cristal, de l'autre côté du lac, à Naodotsk. Le capitaine Obo, le cristal, les Yukol, vous m'en direz tant. Enfin, j'aurai mauvaise grâce de vous reprocher de vouloir me débarrasser de tout ce qui encombre notre bonne ville. Vous me voyez cependant contraint de refuser, chère madame. Les écluses restent closes jusqu'à nouvel ordre. Ce sont des décisions qui viennent d'en haut, vous comprenez? Le maire a peur de ses supérieurs, c'est évident. Mais il a aussi peur de perdre ses électeurs. Vous seriez bien aimable de me répondre. Des autorités supérieures semblent interdire à la population de Valsambor de se rendre de l'autre côté du lac en gardant les écluses fermées. Il faudrait peut-être que je pousse le maire à se rebeller un peu. Eh bien, qu'y a-t-il? Si je lui dis de me mettre le départ des Yukol sur le dos, il satisfera ses électeurs sans pour autant se mettre en porte-à-faux envers sa hiérarchie. Écoutez, monsieur le maire, nous savons, vous et moi, que le vrai problème, c'est que vous voulez satisfaire vos électeurs sans froisser vos supérieurs. Et je crois que j'ai la solution pour ça. Vraiment? Et quelle serait cette solution? Ouvrez les écluses et je m'en irai avec les Yukol. Vous n'aurez plus qu'à m'accuser auprès des autorités de Dieu sait quel sabotage. Ils vous croiront volontiers. J'ai une très mauvaise réputation, vous savez. Et puis, de votre côté, vous gagnerez sur tous les tableaux. Eh bien, je l'avoue, chère madame, vos arguments m'ont convaincu. Je vous autorise donc à ouvrir les écluses du port en vue d'en faire sortir le cristal. Il faut toutefois que vous sachiez qu'un problème technique contraint à une ouverture manuelle des portes. J'imagine que cet inconvénient n'est pas de nature à rebuter une jeune femme décidée et entreprenante comme vous. Vous voulez dire que... Oui, notre mainteneur étant absent, je crains qu'il faille plonger vous-même dans les eaux troubles du port pour ouvrir les écluses. Ceci devrait toutefois vous aider à utiliser le mécanisme sous-marin. Mais comment je vais plonger? Ça, chère madame, j'imagine que c'est votre problème. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Alors ? Le maire nous a donné l'autorisation d'ouvrir les écluses. Mais il va falloir que je fasse ça manuellement, en plongeant dans le bassin du port. Je peux sans doute vous aider. Il doit encore y avoir tout le matériel nécessaire dans le local au bout de la digue. Je n'ai jamais plongé. Mais si vous m'assurez que c'est sans risque, je vais bien essayer. Ceci reste entre nous, Kate. Mais faut que vous sachiez pour les écluses. Elles servent aussi à empêcher le monstre du lac d'entrer dans le port. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Mais à cette heure-là, vous ne craignez rien. Cet animal de l'enfer dort toute la journée. Où est-ce que je vais trouver un scaphandre ? Retrouvez-moi dans le local au bout de la digue. Il doit bien y avoir un déguisement à votre taille. Enfin, à peu près, j'imagine. Vous croyez vraiment à l'existence de ce monstre dans le lac ? Vous savez, il y a 20 ans, ce n'est pas de Barnour que j'ai eu peur. De tous ces morts, des radiations. Les gens ont raconté ça, mais la vérité, c'est que c'est ce foutu monstre qui m'a fait des guerres pires comme un lapin. Il rôdait autour de Barnour, attiré par l'odeur des charniers, sans doute. J'ai vu ses yeux rouges me fixer, Mademoiselle Walker. C'est une chose qui ne s'oublie pas. Une fois sous l'eau, comment parviendrai-je à ouvrir les portes de l'écluse ? Elles sont bloquées par des verrous en acier. Suffira juste de les retirer en utilisant leur mécanisme. Bah voyons. Un jeu d'enfant, j'imagine. Rejoignez-moi au local tout au bout de la digue. Je vous ai ouvert le local.
L'étanchéité n'est pas suffisante pour remplir les bouteilles. Ça ne doit pas être le bon réglage. Je ne pourrai pas ouvrir les écluses tant que ces verrous seront déployés.
au milieu des débris. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui a pu faire ces traces? Bien joué, Kate. Je n'aurais pas fait mieux. Eh bien, si tout est prêt, je vais aller chercher les Yukol sans tarder. Pendant ce temps-là, moi, je vais achever les derniers préparatifs. Quand vous arriverez avec les nomades, on n'aura plus qu'à larguer les amarres. Parfait. À tout à l'heure, capitaine.